sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tuni Titouni. Tuni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout. Tout-tout-tout-tout-tout-Tuni. Les Titini. L'anniversaire de Tini. Aujourd'hui, Tini est contente. C'est son anniversaire. Elle a préparé un bon gâteau avec maman et elle a décoré la maison avec Tuni. Elle a hâte de recevoir ses amis. Justement, c'est l'heure. Wafou arrive en premier. Joyeux anniversaire, Tini. Merci, Wafou. Je suis si contente que tu sois venue. Oh, regarde, tes autres amis sont arrivés aussi. Bonjour, Tini. Bonjour, les amis. On va pouvoir commencer. Mettez-vous à table, les enfants. Quel beau gâteau! Avez-vous deviné mon âge, les amis? Comptez les bougies avec moi. 1, 2, 3. J'ai 3 ans. Je suis une grande maintenant. Allez, on chante joyeux anniversaire pour Tini. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Soufflez les bougies avec moi. Bravo! Maman sert le gâteau et les enfants le mangent rapidement. Qu'il est bon! Regarde, Tini, tes amis t'ont apporté des cadeaux. Waouh! Une poupée, une voiture et un ballon. Merci, que je suis gâtée! Tuni, lui, a fait un beau dessin pour Tini. Merci, Tuni, il est très très beau. Allez les enfants, je vous propose de mettre un peu de musique. C'est l'heure de danser. J'adore cette chanson. C'est la chanson des enfants, mais aussi celle des parents. Pour bouger, danser et sauter toute la journée. C'est la fête les amis. On danse avec Mary et Tuni. Temps passe vite quand on s'amuse. C'est déjà l'heure de partir. Au revoir. Encore merci à tous. C'était une super fête, les amis. Maintenant que tout le monde est parti, Tini a hâte de découvrir ses jouets. Elle les prend et court s'enfermer dans sa chambre pour s'amuser. Tuni se sent tout seul. Il aimerait tant jouer avec Tini. Il entre timidement dans sa chambre. Tu peux venir jouer avec moi, Tuni, tu sais. Maintenant, je suis une grande et je sais qu'il faut prêter ses jouets. On s'amusera plus si on est tous les deux. Tuni fait un gros bisou à Tini pour la remercier. Et ensemble, ils jouent avec tous les nouveaux jouets. Est-ce que tu as aimé cette vidéo? Je te propose de chanter avec moi « Joyeux anniversaire !» Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Tooni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble, ils apprennent tout. Aujourd'hui, Tini rentre de l'école et se plaint de son oreille. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais appeler le docteur, Tini, pour voir s'il peut te recevoir. Maman appelle le docteur qui lui dit de venir tout de suite au cabinet. En chemin, Tini parle à maman de ses craintes. Maman, j'ai peur. Est-ce qu'il est gentil, le docteur ? Mais bien sûr, Tini, le docteur t'aide à guérir. Grâce à lui, tu seras très vite en forme. Ils arrivent au cabinet médical. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Qu'est-ce qui vous amène ? Docteur, j'ai très mal à l'oreille. Retire ta robe, Tini. Je vais t'examiner. Le docteur approche de Tini avec une drôle de chose autour du cou. Qu'est-ce que c'est, docteur ? Un stéthoscope, c'est pour écouter ton cœur et tes poumons, Tini. Respire fort. Nous allons maintenant examiner ta gorge. Ouvre bien la bouche. Parfait. Voyons voir ses oreilles. Voici mon diagnostic, Tini. Tu as une otite. Je vais te prescrire des médicaments et tu vas guérir très vite. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir, docteur. Une fois dehors, Tini dit à sa maman. En fait, ça ne fait pas mal du tout d'aller chez le docteur. Et il est très gentil. Je te l'avais bien dit, Tini. D'un seul coup, Tooni tombe par terre et pleure. Maman, vite, il faut retourner chez le docteur. Tooni est tombé et il a besoin de médicaments. Oh non, Tini, pour les petits bobos, pas besoin de médicaments. Il suffit d'un gros bisou magique. J'espère que tu as aimé cette histoire. Maintenant, chantons ensemble. Une petite blessure te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. J'ai peur quand t'arrives le soir. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Des bruits étranges dans le noir. Pour la peur, pas besoin de docteur, écoute seulement ton cœur. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je vais chez vous ce matin. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Et j'ai peur d'avoir un vaccin. Ne laisse pas une petite piqûre te mener la vie dure. Pour que tu te rétablisses, je suis à ton service. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. Je me suis mordu. Allô, allô, docteur, il m'arrive un malheur. En mangeant de la fondue. Pour les toutes petites douleurs, pas besoin de docteur. Les frayeurs, les piqûres, les rougeurs, les blessures. Voici mon diagnostic, il te faut un bisou magique. Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi ! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci.
allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Je n'ai plus mal du tout. Youpi! Allô, allô, docteur, je n'ai plus de malheur. Merci, merci, merci beaucoup! Youpi! Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni dit Tooni. Tooni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble, ils apprennent tout. Tout, 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 Tooni. Les Titini. L'école. Aujourd'hui, c'est un jour important pour Tini. C'est son premier jour d'école. Vite, maman, vite! Est-ce que tu as bien pris ton sac, Tini? Tu n'as pas oublié ton doudou? Oui, maman, je suis prête. Allez, on y va! Tini est très impatiente. Elle court jusqu'à l'école, toute heureuse. Brusquement, elle s'arrête. Que c'est grand, maman! Ne t'inquiète pas, Tini. L'école, c'est vraiment super. Tu vas voir. Tu vas faire des ateliers, de la peinture, des dessins, de la pâte à modeler. Tu vas apprendre aussi. Bientôt, grâce à l'école, tu pourras lire et écrire. Et c'est toi qui me raconteras des histoires le soir. Tiens, voilà ta classe. La salle de classe est vraiment très belle. Il y a plein de dessins accrochés au mur. Waouh ! Regarde, maman ! Et il y a plein d'enfants qui jouent. Voici ta maîtresse, Tini. Bonjour, Tini. Je m'appelle maîtresse Sophie. Bienvenue dans ma classe. Tu peux mettre ton sac sur le porte-manteau à l'entrée et ton doudou dans la caisse. Tu pars déjà, maman ? Oui, Tini, tu es une grande. Mais ne t'inquiète pas, la maîtresse est très gentille. Et je reviens te chercher tout à l'heure avec Tooni. Tu pourras lui raconter ta journée. Maman fait un bisou à Tini, qui boude un petit peu. Soudain, elle aperçoit Wafou qui joue avec des voitures. Il y a Wafou là-bas ! J'y vais, maman, j'y vais ! Elle, qui avait peur d'être séparée de sa maman, ne voit même pas le temps passer. Elle joue, fait des dessins. À midi, elle mange dans une grande salle avec tous ses amis. Le repas est délicieux. Mais elle commence à fatiguer un petit peu. C'est alors que la maîtresse les amène dans une grande salle pleine de lits. Tini a peur de ne pas réussir à s'endormir sans le bisou de maman. Mais heureusement, Doudou est là. Elle peut le récupérer dans la caisse et lui faire plein de gros câlins. Au réveil, elle retourne jouer dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'on rigole ! Il y a un super toboggan ! Oh, la sonnerie! C'est déjà l'heure des parents! Tini, ta maman est arrivée! Tooni, maman avait raison! L'école, c'est super! Je me suis beaucoup amusée! Et j'ai plein de nouveaux amis! J'ai même fait un beau dessin! Regarde, Tooni, regarde! Oh, comme c'est joli! Tooni saute dans tous les sens! Je crois que Tooni aussi veut aller à l'école! Oh, mais tu es trop petit, Tooni. Seuls les grands vont à l'école. Il va d'abord falloir que tu sois propre. Tu as aimé cette histoire ? Retrouve les Titooni dans d'autres dessins animés et viens chanter avec nous sur le thème de l'école. C'est l'heure de l'école. La sonnerie, ça.
l'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure des ateliers, il faut bien travailler. Oui. À l'heure de la récré, on va tous s'amuser. À l'heure de manger, on va se régaler. Miam. À l'heure de dormir, chut, pas de bruit. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Bisous papa, maman. À l'heure de ranger, il faut bien écouter. Parfait. À l'heure des histoires, qu'est-ce qu'on se marre. À l'heure du sport, un peu d'effort pour être fort. Oh oui. À l'heure des parents, bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah. Bisous papa, maman. C'est l'heure de l'école. La sonnerie s'affole. L'école des enfants. Yeah. Bisous papa, maman. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Titooni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout. Tout-tout-tout-tout-tout-Tooni. Les Titooni. La plage. Cet été, Tini et Tooni sont en vacances avec leurs parents. Maman décide de les emmener à la plage. J'ai mis mon maillot de bain, j'ai pris mon seau, mon râteau, ma pelle. Je suis prête. On y va, maman. Allez, vite, vite. Oui, Tini, j'arrive. C'est la première fois que Tini voit la mer. Elle est toute heureuse. Waouh, comme c'est grand. Et le sable est très chaud. C'est rigolo. Viens, Tini, allons faire un château de sable. Attendez, les enfants. Avant d'aller jouer, il faut mettre la crème solaire, un t-shirt, une casquette et des lunettes de soleil. Ah bon? Mais pourquoi devons-nous mettre tout ça, maman? Je n'ai pas besoin de crème. Ma peau est toute douce. Il fait déjà très chaud. Pas besoin de mettre un t-shirt et une casquette. Pour ne pas attraper de coups de soleil, ma chérie. Il faut savoir que le soleil est très dangereux à cette époque de l'année et qu'il pourrait brûler ta peau. Mais aussi des lunettes pour protéger tes yeux. Après s'être bien préparés, les enfants commencent un château de sable. Puis décident de se mettre à l'eau. Ouh, il fait tellement chaud. Tini, Tooni, venez mettre vos bouées. Si vous allez à l'eau comme ça, vous pourriez vous noyer. Tini les enfile vite et court à la mer. Elle rentre doucement dans l'eau, comme lui a appris son papa. Que c'est rigolo de nager comme les grands. Tooni vient la rejoindre. Les enfants jouent dans l'eau. Quelques minutes plus tard, ils sortent de l'eau. Maman leur a préparé un grand verre d'eau. Venez vite, avec la chaleur, il est important de bien s'hydrater. S'hydra quoi? S'hydrater. Avec un soleil aussi fort, il faut boire en abondance. Ben dis donc, il faut penser à beaucoup de choses quand on va à la plage. Mettre ses bouées pour ne pas se noyer, se protéger du soleil grâce à la crème, la casquette et les lunettes, et boire régulièrement pour bien s'hydrater. Bravo ma chérie, tu as tout compris. Tu es une vraie petite vacancière.
Tu as aimé cette vidéo? Voyons voir ce que tu as retenu. Qu'est-ce que tu dois mettre pour éviter les coups de soleil? Des palmes? Un tuba? De la crème solaire? Ou des bouées? De la crème solaire, bien sûr! Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se déshydrater? Un château de sable? Manger du chocolat? Ou boire beaucoup d'eau? Boire beaucoup d'eau. Allez, pour bien finir cette vidéo, chante avec moi la chanson des vacances d'été. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon maillot, mes lunettes et mes sandalettes. Mon épuisette et ma serviette. Je suis enfin prête. Les coquillages. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai mis de la crème, mon masque et ma casquette. Mes bouées, mes jolies palmes. Je suis enfin prêt. Je vais nager avec les petits poissons. Jouons dans l'eau avec mon ballon. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. J'ai pris mon radeau, mon seau et ma jolie pelle. Mon tapis, mes moules, mon arrosoir. Je suis enfin prête. Je vais. Mon maillot, mes lunettes, mon arrosoir, mes sandalettes, ma serviette, une casquette, crème bouée, ma épuisette, ma pellée, mon râteau, mon tamis, mes moules, mon seau. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Du soleil, des châteaux de sable. Ce sera très agréable. Voici les vacances d'été. Nous allons nous amuser. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Tooni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout. Tout, Tooni. Les Tini. La sécurité routière. Ce matin, Tini se rend à l'école avec sa maman et son petit frère. Vite les enfants! Rentrez tous dans la voiture, on va être en retard. Maman, je peux monter devant avec toi, s'il te plaît? Mais non, Tini, tu es trop petite. Monte à l'arrière dans ton siège auto et mets ta ceinture. Tini prend place à l'arrière. Maman attache Tooni dans son siège et démarre la voiture. Ouf, il fait très chaud aujourd'hui. Tini ouvre la vitre et laisse passer son bras. Attention, Tini, il ne faut pas sortir son bras quand la voiture roule. C'est très dangereux. Oh oui, maman, je suis désolée, j'avais oublié. Quelques minutes plus tard, la voiture arrive devant l'école. Vite, maman, vite! Wafou et Panda sont déjà arrivés! Tini détache sa ceinture et commence à ouvrir la porte. Attends que la voiture soit complètement arrêtée pour détacher ta ceinture et ouvrir la porte, Tini. Je pourrais freiner brusquement et nous pourrions avoir un accident. Maman gare la voiture. Tini sort du côté de la route et s'apprête à traverser sans regarder. Cette fois, maman se fâche. Tini, attention! Tu sais bien qu'on ne sort pas du véhicule côté route et qu'on ne traverse pas n'importe où. Oh maman, je suis désolée. J'étais tellement pressée de retrouver mes amis.
Attends que je détache ton petit frère. Nous allons traverser tous ensemble en se donnant la main. Maman détache Tini, le prend dans ses bras et donne la main à Tini. Voici le passage piéton. Avant de traverser, regarde le petit bonhomme en face. S'il est rouge, il ne faut pas avancer. Maman, regarde, il est vert. On peut y aller maintenant? Non, il faut quand même regarder à gauche, puis à droite, puis à nouveau à gauche. Un véhicule pourrait ne pas respecter le feu rouge. Ouf, d'accord, maman. C'est une véritable expédition d'aller à l'école. Tous ensemble, ils traversent la route. À tout à l'heure, ma chérie. Tini fait un gros bisou à maman et à Tuni. Et elle retrouve tous ses amis dans la cour de récréation. As-tu bien écouté cet épisode? Voyons ce que tu as retenu. Des erreurs de sécurité routière se sont glissées sur cette image. À toi de les retrouver. Eh oui, Tini est trop petite pour monter devant. Elle devrait être à l'arrière du véhicule dans son siège auto. Tuni n'est pas dans son siège auto. Oula, ce n'est pas bien. Maman n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Tini sort son bras par la fenêtre. Oulala, là là, mais c'est très dangereux. Et sais-tu ce qu'il faut faire pour traverser une route? Trouve un passage piéton. S'il n'y en a pas, choisis un endroit où tu verras bien des deux côtés et où tu seras visible. S'il y a un petit bonhomme rouge, attends que le petit bonhomme soit vert. Regarde à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour vérifier qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive. Traverse sans courir. Mais surtout, n'oublie pas, si tu es trop petit, donne la main à ta maman avant de traverser. Ils sont tout petits, ils sont très gentils, ce sont nos amis, Tuni, Tuni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises, et ensemble ils apprennent tout, 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 Tuni. Les Tini. Les dangers de la maison. Ce matin, maman discute dans le jardin. Tini et Tuni décide de rentrer à la maison. Pendant que maman est occupée, je vais prendre soin de toi, Tuni. J'ai faim. Tu as faim? Allons dans la cuisine chercher à manger. Maman a interdit à Tuni d'entrer dans la cuisine en son absence, car la cuisine regorge de dangers. Malgré l'interdiction, les enfants entrent. Maman a commencé le repas. Ça sent tellement bon. Tuni se précipite sur la casserole fumante pour voir ce que maman a préparé. Attention Tuni, la casserole est chaude. Il ne faut pas la toucher, tu vas te brûler. Tuni tout triste recule de 3 pas. Puis il aperçoit quelque chose dans le four. Non Tuni, le four également est brûlant. Prends plutôt un petit morceau de gâteau, mais un seul, car si tu manges trop de chocolat, tu vas être malade. Tini tend un morceau de chocolat à Tuni qu'il mange très rapidement. Tuni décide de s'en recouper une part. Il s'empare du couteau. Oh non, Tuni, tu es trop petit pour te servir d'un couteau. Laisse, je vais le faire. Que c'est bon. Mais c'est très sucré et ça donne soif. Tuni dit alors. De l'eau. Tu as soif, Tuni? Attends, je vais te chercher de l'eau. Mais Tuni est impatient. Il aperçoit une bouteille près du placard sous l'évier. Il s'approche d'elle. Oh non, Tuni, c'est du produit pour nettoyer le sol. Il ne faut pas boire ça. À ce moment-là, maman entre dans la cuisine. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tuni se jette dans ses bras.
Maman, je voulais être une maman comme toi et m'occuper de mon petit frère. Mais c'est trop difficile. Il y a plein de dangers dans la cuisine. Je comprends pourquoi tu as interdit à Tuni d'y rentrer. En effet, Tini, les enfants n'ont pas encore conscience du danger. C'est pour ça que j'avais fermé la porte. Je suis désolée, maman. Tuni avait faim et je croyais bien faire. Tu t'es bien occupée de ton petit frère. C'est l'essentiel. Mais à l'avenir, écoute ta maman. Maman fait alors un gros bisou à Tini et à Tuni. As-tu bien écouté cette histoire? Nous allons voir si toi aussi, tu peux t'occuper du petit Tuni. Montre-moi ce qui est dangereux dans cette cuisine. Les produits d'entretien. La casserole brûlante. Le couteau. Le four chaud. Et dans la salle de bain, que vois-tu de dangereux? Les flaques d'eau au sol. Il ne faudrait pas que Tuni glisse dessus. Le sèche-cheveux branché. Les médicaments. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tuni, Tuni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble, ils apprennent tout. Ne pas tomber malade. Ce matin, Tini et Tuni doivent rejoindre Wafu et Panda pour faire un bonhomme de neige. Tini est tellement pressée qu'elle part en laissant son petit déjeuner et oublie de mettre son manteau. Oh, j'ai oublié mon manteau. Bon, ce n'est pas grave, il ne fait pas si froid après tout. Bonjour Wafu, bonjour Panda. Bonjour Tini, viens vite nous aider. Nous sommes en train de rassembler la neige pour faire le corps du bonhomme de neige. Celui-ci prend vite forme, il ne lui manque plus que les branches pour les bras. Soudain, le vent se lève et la neige commence à tomber. Panda dit alors. Il fait froid maintenant et la nuit arrive. Nous finirons le bonhomme de neige demain, d'accord? Allez vite, rentrons avant de tomber malade. Ah non, je ne rentre pas à la maison maintenant. Je m'amuse tellement. Je reste encore un peu avec Tuni. Au revoir Tini. Au revoir Tuni. Au revoir Panda. Au revoir Wafu. On se revoit demain. La nuit est totalement tombée quand ils se décident de rentrer. Maman est en colère. Les enfants oublient de se laver les mains, mangent rapidement et courent se mettre au lit. Le lendemain matin, Tini n'arrive pas à se lever. Oh maman, je ne me sens pas bien. Maman entre dans la chambre et touche le front de Tini. Oh, tu es brûlante et tu as de la fièvre. Voilà ce qui arrive quand on oublie de mettre son manteau pour sortir et qu'on rentre tard. On tombe malade. Tu vas devoir rester au lit aujourd'hui. Oh non, maman, il y a un beau soleil dehors et on doit finir le bonhomme de neige. La neige devrait tenir toute la semaine. Tu finiras le bonhomme de neige dès que tu seras rétablie. Tini est très déçue. Elle se promet de faire plus attention la prochaine fois et d'écouter sa maman. 2 jours plus tard, elle retrouve tous ses amis et tous ensemble, ils finissent le bonhomme de neige. Tu as aimé cette histoire? Tu ne veux pas être malade comme Tini. Mais sais-tu ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade? Pour sortir, couvre-toi bien. Mange des fruits et des légumes riches en vitamines.
Lave-toi les mains régulièrement. Connais-tu la chanson pour se laver les mains? Allez, chantons-la ensemble. Chantons tous en chœur ce petit refrain. Apprenons ensemble à nous laver les mains. Bien mouiller les mains. Un, deux, trois. Puis les savonner. Un, deux, trois. Et puis les frotter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et puis les rincer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Enfin essuyer. Chantons tous en chœur ce petit refrain. Apprenons ensemble à nous laver les mains. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Tooni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout. Ce matin, Tini est affamée. Elle demande à sa maman. Maman, j'ai faim. Si tu vas dans le jardin me chercher des carottes, je te prépare une bonne tarte. Tini adore les tartes à la carotte. Elle se précipite dehors. Mais voilà, elle ne sait pas où chercher. Elle s'approche du premier arbre qu'elle aperçoit. Wafou et Tooni jouent en dessous. Wafou, sais-tu s'il y a des carottes en haut de cet arbre? Mais non, Tini. Cet arbre est un pommier. Il n'y a que des pommes qui poussent ici. Elle aperçoit un arbuste. Et dans ce buisson, tu crois que je trouverai des carottes, Wafou? Eh non, cet arbuste est une vigne. Elle ne produit que du raisin. Sais-tu où je pourrais trouver des carottes, s'il te plaît, Wafou? Wafou réfléchit un peu. Non, je ne sais pas. Moi, j'adore les poires qui poussent sur ce poirier. Tu devrais les goûter. Les poires sont très appétissantes, mais Tini a vraiment envie de sa tarte à la carotte. Elle continue à chercher toute seule, mais au bout de 10 minutes, elle n'aperçoit plus aucun arbre ni aucun buisson dans le jardin. Elle s'assoit sur une pierre et commence à pleurer. Panda, son petit voisin, l'aperçoit. Il s'approche d'elle pour la consoler. Qu'est-ce qui ne va pas, Tini? Il n'y a plus de carottes dans le jardin. J'ai regardé dans tous les arbres et dans tous les buissons. Maman ne va pas pouvoir me faire une tarte. Mais si, il faut aller au potager. Viens, suis-moi. Mais je ne vois rien du tout. Tu ne regardes pas au bon endroit. Les carottes, elles ne poussent pas dans les arbres. Les carottes, les radis et les pommes de terre poussent dans la terre. Regarde! Tini regarde alors en bas. Oh, ses yeux s'illuminent. Sous les petites tiges vertes, des bouts de carottes dépassent du sol. Tini saute de joie. Elle a fini par les trouver. Wafou et Tooni viennent les rejoindre et tous ensemble, ils récoltent les carottes. De retour à la maison, Tini se précipite vers sa maman pour lui montrer son butin. Maman prépare une bonne tarte qu'ils partageront tous les cinq. As-tu bien écouté cette histoire? Voyons si tu as tout bien retenu. Sur quel arbuste pousse le raisin? La vigne. Sur quel arbre poussent les pommes? Le pommier. Où poussent les carottes, les radis et les pommes de terre? Dans la terre, bien sûr. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Tooni. Tini nous fait
surprise. Et ensemble, ils apprennent tout. Tout, 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 tout. Les titinis. L'écologie. C'est l'heure de la sortie des classes. Aujourd'hui, maman vient chercher Tini. Coucou ma chérie. C'était bien l'école aujourd'hui? Oh oui, on s'est bien amusé. Maman, elle est garée où la voiture? Aujourd'hui, je suis venue à pied. Ah bon? Mais pourquoi maman? Parce qu'il fait beau et se déplacer à pied est un geste en faveur de la protection de notre environnement. Et puis on est bien toutes les deux. Un petit peu d'exercice nous fera du bien. Oui, mais j'ai faim moi, maman. Je t'ai amené un petit goûter. On en profitera pour faire une petite pause au parc. Tini est heureuse de partager ce moment avec maman. En voiture, elles ne prennent pas le temps de s'arrêter au parc. Arrivée sur place, elle s'assoit sur un banc. Puis, maman tend un gâteau à Tini. Tini ouvre l'emballage, mange le gâteau et jette le papier par terre. Tini, ramasse-le s'il te plaît et mets-le dans la poubelle. Bon, ce n'est pas très grave, maman. Ce n'est qu'un tout petit bout de papier. Et puis, personne n'a rien vu. Justement, Tini, si tout le monde faisait comme toi, notre ville ressemblerait à une poubelle géante. Et on ne pourrait plus y vivre. Tini récupère le sachet et le jette. Elles reprennent ensuite le chemin de la maison. Arrivée là-bas, maman ouvre la porte. La lumière de l'entrée est restée allumée. Ben bravo maman, il n'y a pas que moi qui dois faire attention. Je ne pense pas que laisser la lumière allumée inutilement à la maison soit très bon pour notre environnement. Tu as raison, Matini. De petits gestes simples au quotidien peuvent sauver notre planète. Nous devons tous faire attention, les petits et surtout les grands. Je suis sûre que toi aussi tu veux prendre soin de notre planète. Je vais te donner quelques petits conseils en chanson. Notre petite planète est malade. Elle a besoin de toi, camarade. Aide-moi à la sauver. Ensemble, on va y arriver. Si toi aussi, tu aimes notre planète, chante vite cette chanson nette. Les gestes simples au quotidien nous la sauveront, c'est certain. Elle est très précieuse, notre eau. Sans elle, pas de plantes ni d'animaux. Ne laisse pas couler le robinet. Ne la gaspille pas, il faut la préserver. Si toi aussi, tu aimes notre planète, chante vite cette chansonnette. Des gestes simples au quotidien nous la sauverons, c'est certain. La terre n'est pas une poubelle. Il y a un secret pour qu'elle soit belle. Ne rien jeter par terre et trier ses déchets. Petits et grands, nous sommes tous concernés. Si toi aussi, tu aimes notre planète, chante vite cette chansonnette. Des gestes simples au quotidien nous la sauverons, c'est certain. S'il fait jour, le soleil t'éclairera. Ne laisse pas la lumière allumée. Pour aller à l'école, utilise tes petites balles. La voiture, c'est comme qu'une nécessité. Chante vite
saison. Ce matin, maman revient des courses avec un calendrier. Maman, qu'est-ce que c'est ? C'est un calendrier. À quoi ça sert ? Ça sert à se repérer dans le temps et à planifier des activités à faire à l'avance. Et pourquoi il y a plein de cases et de pages ? Les petites cases représentent les jours de la semaine et les pages, les mois de l'année. Connais-tu les jours de la semaine, Tini ? Oh oui, la maîtresse me les a appris. Voyons, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo ma puce ! Il existe aussi 12 mois de l'année, répartis en 4 saisons. Tu te rappelles, Tini ? Tu les as appris à l'école. D'abord, nous avons l'hiver. Oh oui, je me rappelle, maman. Cet hiver, il a fait très froid. Avec Tuni, nous avons fait de la luge sur la neige. Et papa nous a aidés à faire un énorme bonhomme de neige. On s'est bien amusés. J'adore cette saison, maman. En plus, le Père Noël passe toujours en hiver. C'est vrai que c'est une belle saison. Ensuite vient le printemps. Oh, je la connais aussi, maman. Il pleut souvent au printemps. Mais les oiseaux chantent et il y a plein de petites fleurs dans le jardin. Ça sent bon et c'est très joli. C'est exact, Tini. Et sais-tu quelle saison vient après le printemps ? Oui, l'été, c'est ma saison préférée. J'aime partir en vacances avec papa et maman. En été, il fait toujours très chaud et nous pouvons nous baigner. C'est vrai qu'on s'est bien amusé à la plage cette année. Bon, il ne reste plus que la dernière saison, l'automne. La saison où les arbres perdent leurs feuilles et l'eau mange des châtaignes et des marrons. L'an dernier, avec Wafou et Panda, nous avons démarré une collection de feuilles mortes. Il y en avait plein, des jaunes et des rouges. C'était très joli. J'y pense, en automne, c'est aussi la saison d'Halloween, maman. Moi, j'adore me déguiser en sorcière. L'an dernier, Tuni s'était déguisé en grosse citrouille et il avait bien du mal à avancer. En fait, maman, quelles que soient les saisons, on peut s'amuser et faire des tas de choses. Je pense que ton calendrier va vite être rempli. Tu aurais dû en prendre un encore plus gros. Tu as bien écouté ? Voyons voir ce que tu as retenu. Cite-moi les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo! Peux-tu ensuite me citer les 4 saisons? Automne, hiver, printemps et été. Bravo! Allez, maintenant on chante un petit peu? Regardez vite! Ton calendrier, 4 saisons! Encore cette année, automne-hiver! Printemps et été, 4 raisons! Pour encore plus s'amuser! Pouh, je m'ennuie! C'est l'hiver! Et il fait froid! Tu rigoles? L'hiver, c'est super! En hiver, profite de Noël! Viens vite faire des bonhommes de neige! Fais de la luge, du surf et du ski avec ta famille et tes amis. Regarde vite ton calendrier, 4 saisons. Encore cette année, automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Pouh, je m'ennuie. C'est le printemps et il pleut dehors. Tu rigoles? Le printemps, c'est charmant. Au printemps, tu peux te promener. Il y a des fleurs, fais un joli bouquet. Et s'il pleut, mets ta capuche, ton manteau. Jouer dans l'eau, tu verras, c'est rigolo. Regarde vite ton calendrier, 4 saisons. Encore cette année, automne-hiver, printemps et été, 4 raisons pour encore plus s'amuser. Je m'ennuie. C'est l'été et il fait trop chaud. Tu rigoles? L'été, c'est la gaieté.
En été, tu vas bien t'amuser. Tu vas pouvoir aller te baigner. Du soleil et des châteaux de sable. Tu verras que c'est très agréable. Regarde vite ton calendrier. 4 saisons. Encore cette année, automne, hiver. Printemps et été, 4 raisons. Pour encore plus s'amuser. Je m'ennuie, c'est l'automne et il fait gris. Hein? Tu rigoles? L'automne, ça donne! En automne, cueille des champignons. Mange des citrouilles, des châtaignes, des marrons. Ramasse des jolies feuilles tombées par terre. Pour Halloween, déguise-toi en sorcière. Regarde vite ton calendrier. 4 saisons. Encore cette année, automne, hiver. Printemps et été, 4 raisons. Pour encore plus s'amuser, regarde vite ton calendrier. 4 saisons. Encore cette année, automne, hiver. Printemps et été, 4 raisons. Pour encore plus s'amuser. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Titooni. Tini nous fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout. Tout-tout-tout-tout-tout-Tini. Les Titini. Noël. Nous sommes début décembre et Tini attend avec impatience Noël. Maman, quand est-ce qu'il arrive le Père Noël? Pas tout de suite, ma chérie. C'est long. Tu crois que je vais avoir beaucoup de cadeaux? Si tu as été bien sage cette année, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Veux-tu écrire une lettre au Père Noël pour lui commander des jouets? Oh oui, maman! Mais je ne sais pas écrire. Ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à les dessiner. Tini s'installe avec son petit frère sur la table et dessine une jolie poupée. Tooni, de son côté, est très fier de son dessin et le montre à Tini. Mais on dirait un gros cribouillage! J'espère que le Père Noël va comprendre ce que tu veux, Tooni. Tini met les deux dessins dans une enveloppe et les donne à maman. Merci, ma chérie. Je vais la donner au facteur demain. Tini regarde son salon et devient toute triste. Maman, je crois que le Père Noël ne pourra pas passer chez nous. Pourquoi? Nous n'avons pas de cheminée. Comment il va pouvoir entrer avec sa hotte? Ne t'inquiète pas, le Père Noël est très fort. Il trouve toujours une solution. À ce moment-là, papa arrive dans le salon avec une grosse surprise. Le sapin. Comme il est beau et grand. Venez les enfants, allons le décorer. Maman ouvre un carton. À l'intérieur, il y a des boules et des guirlandes de toutes les couleurs. Viens, Tooni, décorons ensemble le sapin. Il faut que ce soit le plus beau du monde pour remercier le Père Noël de sa visite. Les jours passent et le matin de Noël arrive enfin. Tini sort du lit et court chercher son petit frère. Sous le sapin, les enfants trouvent plein de paquets. Il y en a des gros, des petits, et il y a la poupée que Tini avait commandée. Maman, papa, vous aviez raison. Le Père Noël a lu ma lettre et il a réussi à rentrer chez nous pour déposer les paquets. Il a même compris les gribouillages de Tooni. Mais il est vraiment trop fort. Merci petit papa Noël. C'est bientôt Noël. J'espère que tu as été bien sage cette année. En attendant, écoute les conseils du Père Noël et chante avec lui. Ha ha ha! Je te parle du Grand Nord où j'habite pour te donner quelques conseils pratiques. Si tu veux avoir des cadeaux par milliers, cette année, à toi de jouer et de chanter. Il faut être sage et poli.
et ranger sa chambre aussi. Avec sa maman, il faut être gentil. Ne pas oublier de dire merci. Nous serons sages et polis. Nous rangerons notre chambre aussi. Avec notre maman, nous serons gentils. Et nous dirons tous merci. Nous serons sages et polis. Toujours. Nous rangerons notre chambre aussi. Tu nous jouais. Avec notre maman, nous serons gentils. De vrais anges. Et nous dirons tous merci. Et s'il te plaît. Merci Père Noël, merci Père Noël. Pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël. Pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Ha ha ha. Merci à vous les enfants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Voici la suite. Allez au lit comme des grands. Et ne pas être feignant. Goûter à tout et prêter ses jouets. Ne pas oublier le s'il vous plaît. Ha ha ha! À votre tour, les enfants! Nous irons au lit comme des grands. Et nous ne serons pas feignants. Nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Et nous dirons s'il vous plaît. Nous irons au lit comme des grands. Et nous ne serons pas feignants. Nous goûterons à tout et prêterons nos jouets. Mais non plus. Et nous dirons s'il vous plaît. Et oui, je l'avais dit. Merci Père Noël, merci Père Noël. Pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Père Noël, merci Père Noël. Pour tous tes cadeaux et tes conseils. Merci Père Noël, merci Père Noël. Hâte que tu descends du ciel. Merci Papa Noël. Ils sont tout petits, ils sont très gentils. Ce sont nos amis, Tooni Tittooni. Tooni fait plein de bêtises, Tini est pleine de surprises. Et ensemble ils apprennent tout, 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 Tittooni.